Cher chercheur de Dieu, cher ami de Dieu, bienvenue à cet espace hebdomadaire de chant, de méditation de la parole de Dieu qui est parole de vie, lampe qui éclaire nos routes, lumière qui illumine nos sentiers entre notre berceau et le royaume des cieux. Nous voici rendus au 23e dimanche du temps ordinaire de l'année A. L'Église nous propose déjà de faire mémoire de Sainte Inès, martyre japonaise du XVIIe siècle. C'était une veuve chrétienne dont le crime aura été d'avoir hébergé des missionnaires chrétiens. Elle aura subi le même sort que ceci. Très beau témoignage de foi, de fidélité à Jésus en épanchant son sang, en versant son sang pour celui qui l'a aimé et qu'elle a aimé jusqu'à donner sa vie. Puisse Sainte Inès nous aider, nous aussi, à tenir, à rester ferme, attaché à Jésus-Christ jusqu'à la fin, même au prix du sacrifice ultime. Cela dit, comme nourriture spirituelle, comme nourriture pour notre croissance en tout point de vue, nous avons la lecture du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 33, versets 7 à 9, le psaume 94, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 13, versets 8 à 10, et l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 15 à 20. Dans la première lecture, celle où le prophète Ézéchiel reçoit de Dieu une mission, il est question de la responsabilité du prophète. Dieu l'envoie proclamer un message de conversion, un message de vie à l'endroit précisément de ceux et celles qui se détournent ou se sont détournés de la parole, se sont détournés de la volonté de Dieu. Il y a un adage qui peut nous aider à comprendre les enjeux de cette responsabilité. La vérité, dit cet adage ouest-africain, ivoirien si mes souvenirs sont bons, la vérité rougit les yeux, mais ne les perce pas. Il ne faut pas craindre de dire la vérité, il ne faut pas craindre de dénoncer le mal. Et Dieu dit au prophète que cela lui incombe. Responsabilité d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes intéressés parce que de par notre baptême, nous sommes prophètes par conséquent. Nous sommes envoyés à aller proclamer un message qui souvent ne rencontrera pas l'assentiment des hommes, surtout si celui-ci vient pour contester leur manière de faire et d'être qui, on va le résumer, si ces personnes vivent dans le mensonge, dans la fausseté, dans les ténèbres, eh bien, on aura toujours quelques soucis avec celle-ci. Mais Dieu nous rappelle que nous n'avons pas à nous retirer. C'est un engagement envers lui, c'est un engagement envers les autres. Et il y a une responsabilité car le Seigneur dit, si par quelque raison tu te taisais et que le pécheur meurt dans cet état, eh bien, tu porteras sur toi, n'est-ce pas, ses péchés pour n'avoir pas dit la vérité. Il vaut mieux la lui dire. S'il persiste dans son péché, il mourra de son péché, mais toi tu pourras sauver ta peau, pour dire comme les hommes d'aujourd'hui. Et si par enchantement celui-ci à cause de ton message changeait de vie pour devenir un enfant de justice et de lumière, eh bien
tu auras ramené un frère à la vie et le Seigneur, eh bien, promet qu'il te le revaudra à sa juste valeur. La question qui est derrière, elle est, est-ce que nous sommes nous-mêmes disciples de la vérité? Avons-nous peur de dire? Parce qu'il faut simplement dire, c'est tout cela. Ce n'est pas une question de juger qu'on s'entende bien. Il est question de rappeler aux uns et aux autres que nos agis, quand ils ne sont pas conformes aux prescriptions divines, à ce que le bon sens reconnaît, il faut les dénoncer sans autre forme de procès. Il vaut mieux être l'ami de Dieu et l'ennemi des hommes qu'être l'ami des hommes et l'ennemi de Dieu. Il vaut mieux être l'ami de Dieu et l'ennemi des hommes que d'être l'ami des hommes et l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas mal question de faire le bon choix. Le psaume 94, il est assez célèbre. Aujourd'hui, ne fermez votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Encore une invitation à la conversion. Nous aurions dû changer nos cœurs, changeons nos cœurs pour que la parole de Dieu prenne davantage place dans nos vies. Eh bien, le psalmiste nous invite vraiment à nous repositionner dans cette optique-là de changement de perspective. Il faut, on va dire comme ça, revenir au Seigneur. C'est le même message que Ézéchiel est censé porter aux autres, aux populations de son temps. Dans l'épître de Paul, n'est-ce pas, il est question de manière très très brève, mais de manière très très profonde, de la lutte contre le mal fraternel. Aimer ici, d'après Paul, signifie ne rien faire qui puisse heurter, qui puisse porter préjudice à son prochain. C'est justement dans cette logique que Paul va dire que la seule dette du reste qu'il faille avoir, qu'il faille rêver avoir, est la dette de l'amour. Voilà comme ça, un clin d'œil à tous ceux qui coulent sous le poids des dettes. La question est de se savoir et de se demander, autant pour moi, quelles sont les dettes qui sont les miennes. Si elles, ce sont les dettes d'amour, il vaut mieux les en prendre. Mais si ce sont les autres dettes, il vaut mieux les payer parce qu'une vie de dette n'est jamais une vie de paix. C'est toujours assez embêtant. Oui, nous devons lutter contre le mal fraternel. Il faudra désirer ne pas faire du mal à autrui. C'est aussi ça, la responsabilité du prophète que je suis, la responsabilité du disciple que je suis. Belle perspective. Quand désormais je dirai à mon frère que je l'aime, il faudra que je me souvienne que je prends l'engagement de ne faire aucune chose qui puisse lui porter préjudice, tant physiquement que moralement. Voilà une belle perspective qui plairait au Seigneur. Dans l'évangile, Jésus vient nous proposer un schéma pour la résolution et la réconciliation au sein de la communauté. On l'aura appelé la correction fraternelle. La démarche vise toujours le bien de tout le monde. L'offensé comme l'offenseur, tous devant Dieu doivent apprendre à pardonner. Sauf bien sûr si les uns et les autres s'obstinent à ne pas vouloir changer, bien les conséquences, ils les assumeront. Il va profiter justement de cette situation tendue qui est la tension entre frères et sœurs pour rappeler que lorsqu'on se met ensemble pour prier, eh bien, on est sûr, n'est-ce pas, que l'on est exaucé. Il ne faut pas par là dire que lorsqu'on est seul, la chose n'est pas sans succès que non. Mais Jésus dit, quand deux ou trois sont réunis au milieu, en mon nom, je suis là. Voilà qui nous invite donc à œuvrer pour des prières de plus en plus communes. Une belle perspective pour la famille. Le père qui prie de son côté, la maman de son côté, les enfants de son côté, de leur côté, autant pour moi, ça ne sera jamais gentil. Ce sera intéressant qu'à partir, n'est-ce pas, de cette démarche de Christ, que nous reprenions nos familles à prier ensemble, à prier tous les jours ensemble, et cela nous apportera du bien.
Voilà, en ce 23e dimanche du temps A, le Seigneur nous aura rappelé notre responsabilité. N'est-ce pas, le prophète appelle à l'unité, appelle à la conversion. Et pour cela, une fois de plus encore, la parole de Dieu doit être celle-là qui donne toute la force à nos actions. Qu'elle motive nos actions, qu'elle motive nos initiatives et nos démarches. Nous voulons nous rappeler à en terre africaine et même ailleurs, on l'a vu, les commissions justice et réconciliation, ou vérité et réconciliation, c'est selon, qui voulaient être des espaces où les frères et sœurs qui ont passé du temps à s'entre-déchirer décidaient de se remettre ensemble pour avancer. Voilà finalement l'objectif majeur. Aussi, soyons des apôtres de la réconciliation, soyons des acteurs de la justice et de la paix. Que Dieu bénisse cette semaine, la tienne, la mienne, la nôtre, et retrouvons-nous dimanche prochain pour un nouveau moment d'échange avec celui qui nous rassemble. Que Dieu nous bénisse.